La méditation de ce 21 mai est intitulée « Un grand tremblement de terre ». Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Apocalypse 6, 12. La prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue de Christ. Elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. Les premiers signes précurseurs du retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le voyant de Patmos. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Apocalypse 6, 12. Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie, eut lieu en 1755 le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île de Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite. Au Maroc, un village de 8 à 10 000 habitants disparut. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. C'est en Espagne et au Portugal que la secousse se fit sentir avec le plus de violence. On affirme qu'à Cadix, le raz-de-marée atteignit environ 18 mètres de hauteur. On évalue à plus de 90 000 le nombre des personnes qui perdirent la vie en ce jour néfaste. Comme il est fréquent d'entendre parler de séismes, de tornades et de dévastations opérées par le feu et les inondations avec de grandes pertes de vies humaines et de richesses. Apparemment, ces calamités sont les imprévisibles soubresauts des forces naturelles désorganisées et déréglées qui échappent entièrement au contrôle de l'homme, mais on peut y décerner le dessein de Dieu. Elles sont ses instruments pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Apocalypse 6, 12. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.